J'ai commencé par le judo, j'avais 14 ans, à 19 ans j'étais ceinture noire, à 22 ans j'étais au Japon pour m'entraîner, ceci jusqu'à l'âge de 23-24 ans. Ensuite, me mariant et voulant assurer un certain bien-être familial, on va dire, j'ai arrêté la compétition, j'ai été prof de judo pendant de nombreuses années. Et puis l'âge aidant, le judo devient un petit peu plus dur. Il y a une chose qui m'est parue fabuleuse à une époque. Alors, vu mon volume, il y avait a priori une erreur. C'était d'arriver à courir 42 km. J'étais toujours ébahi par les gens qui faisaient des marathons. Je me disais, comment peut-on arriver à courir 42 km? Donc, je me suis préparé. Enfin, à vrai dire, beaucoup de gens m'ont aidé, m'ont très bien conseillé, parce que vu mon volume et ma génétique, pour ça, à mon avis, il y avait une erreur. Mais je suis quand même arrivé à le faire. J'ai fait donc des Paris-Versailles, des 20 km. Et puis, je suis quand même arrivé à faire mon marathon en 4h20, je m'en rappelle. Et puis, effectivement, après, on est passé à autre chose, parce que j'étais vraiment pas fait pour ça. Et donc, après, moi, j'ai fréquenté les salles de muscule, en étant toujours un petit peu sur les tapis de judo. Et dans les salles de muscule, j'ai trouvé que c'était sympathique. Moi, m'entraîner, si je n'ai pas un objectif, je dirais, qui est lié à la compétition, parce que j'aime ça. Donc, je cherchais, puis il y avait de la force athlétique. Donc, j'ai pratiqué ça pendant pas mal d'années. Quand j'ai voulu courir un marathon, c'était un objectif personnel, c'était une compétition personnelle, j'avais pas lutté avec les autres parce que vu mon don pour la course à pied, c'était pas le but. Mais je veux dire, c'était un objectif personnel. Donc je suis arrivé, je me suis battu contre moi-même. Bon, il est évident que quand je fais après certains autres domaines de compétition, j'ai la chance d'avoir un physique qui me permet de faire partie des meilleurs, enfin des gens qui sont assez bons. Donc effectivement, mais la motivation est toujours une motivation de se dépasser, d'aller au-delà de ses capacités. Demain, par exemple, on se connaît, tu t'entraînes un petit peu avec moi. Ton objectif aujourd'hui, tu fais admettons 50 kilos. Ton objectif personnel, c'est de faire 60 kilos. C'est pas de regarder le voisin qui fait 190 kilos. Les charges devenant de plus en plus lourdes. L'âge venant peser, sur les charges, j'ai commencé à avoir des problèmes articulaires. L'épaule, les genoux, et puis donc j'ai un petit peu abandonné, par force des choses, cette discipline. Et donc après, j'ai dit, tiens, je me suis mis amusé à faire du vélo pendant un moment. Ça m'a beaucoup amusé aussi, parce que j'avais un familier qui était passionné de vélo. Et c'est pareil, même période, j'avais 25 km pour aller à mon travail le matin et 25 km à rentrer. J'ai dit, tiens, je me suis acheté un vélo, puis je faisais 25 km le matin aller, 25 km retour. Tout ça pour arriver à faire une course qui était Paris-Honfleur. Et après est venue une période où, étant responsable d'une salle de sport, enfin en l'occurrence de la salle de musculation, je ne savais plus très bien quoi faire parce que mes genoux et mes épaules, ça devenait un peu difficile pour la force athlétique. J'ai un ménisque qui commence à être plus très sympathique, donc au niveau du judo, je commençais aussi à être limité, donc je ne savais vraiment pas quoi faire parce que m'entraîner sans avoir une motivation, j'ai quand même du mal. Et c'est là que tout à fait par hasard, c'est un prof d'ailleurs que j'avais embauché parce que j'avais une fonction d'employeur dans cette association, qui m'a dit un jour, mais écoute, est-ce que ça ne te dérange pas si je viens essayer d'initier les gens au bras de fer? Je ne savais même pas que ça existait. C'est un terme qui est connu, parce que on dirait diverses raisons, c'est très souvent un terme qui est très souvent employé d'ailleurs, entre hommes politiques, pays, enfin ainsi de suite. Et puis je ne savais même pas, puis j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis j'ai dit, tiens, j'ai trouvé quelque chose où il y a des catégories d'âge, des catégories de poids, ça va me motiver pour m'entraîner, pour faire du bras de fer. Et là, il s'est avéré que, a priori, j'avais certaines prédispositions pour ça, vu ma génétique. Donc les résultats assez sympathiques et concrets sont arrivés très rapidement, effectivement. C'est vrai que tout ce qui est un petit peu épreuve de force,
tout ce qui est lié, je dirais, dans le concept gros bras, c'est vrai que c'est une image assez négative, hein, mais je sais pas, c'est peut-être typiquement français, j'en sais rien. Non, tu... Ouais. Attention, tu te laisses pivoter. C'est quelque chose qui est très technique. Sur une table, vous avez donc deux arbitres. Il y a un règlement qui est très strict, qui surveille si vous êtes bien par rapport au règlement, je dirais bien en face l'un de l'autre, si vos poignets sont bien droits, si vos articles, enfin ce qu'on appelle les kento, les deux sont bien visibles. Donc il y a un règlement bien strict sur le sujet. Donc après, il faut effectivement s'entraîner spécifiquement. Donc c'est un très gros renfort du poignet. Bon, il est vrai qu'on a après, si je prends mon cas personnel, parce que je ne peux pas faire, lié à une pathologie, à un accident de judo, je ne peux pas faire du bras gauche, parce que vous avez des gens qui sont champions du monde, on est constitué de deux bras. Hein. Vous avez des gens qui sont champions du monde, des deux bras, bras droit, bras gauche. Donc, moi personnellement, je ne peux pas. Je peux pas faire, bon, pour la vie courante, ça ne me gêne pas, mais pour le stresser, on va dire, en compétition, il est vrai que ce n'est pas possible. Je tiens l'abduction. Non, mauve. Et les gars! Il est bon. Là, et tu continues. Là, tu je sors, mais. Oh, là, faut, voilà, c'est ça. Voilà, ici, faut, que tu continues à rester là. Ça marche. Continue à ouvrir la main. Le goût technique, le pouce. Voilà, ici. On regarde. Alors, bon, vous en avez par exemple qui, du coup, bon, c'est très. Ils sont embêtants parce qu'avoir vu. Alors, bon, ils sont là, ils essayent de venir vous chercher très très loin, comme ça. Okay. Moi j'ai la chance d'avoir, bon quand on a un peu des poids lourds, on a des grosses mains. Donc, voilà ici. C'est ça. Et c'est pas nécessaire d'appuyer comme un fou ici. La contraction tout à l'heure quand je faisais des suspensions, c'est parce qu'on est en contraction, c'est imperceptible. Mais effectivement, il y a une grosse contraction. On est très fermé en effet, quand on fait du bras de fer. Voilà, ici l'épaule bien en avant. Voilà ici. Et c'est le poignet qu'il faut qu'il tienne. Vous voyez, là, voilà, le poignet a bien tenu là. J'ai mon poignet qui a bien tenu, je ne l'ai pas laissé partir. Non, parce qu'il y a un très gros entraînement qui se fait au niveau des poignets. Donc le poignet tienne, hein, l'avant-bras, le biceps, le dos, parce qu'on est complètement bloqué. Donc tout ceci nécessite, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas stresser, donc un entraînement de bras de fer spécifique avec le bras, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Parce que bon, il y a un gros stress au niveau des articulations, épitrochlite, épicondylite, donc l'entraînement spécifique sur le bras est relativement un quart d'heure, 20 minutes. Tout le reste, c'est du préparatif. Au départ, regarde un peu ça, il a des grandes mains lui. C'est bien, il a des bonnes mains. Voilà, tu montes. Monte sur ma main. Voilà. Ah ouais, d'accord. T'as vu qu'on fait plus fort ? Il n'y a pas de poussée. On ne pousse pas. Non, voilà, c'est ça. Non, ne pousse pas. Non, on n'est pas rien du tout. Regarde, voilà. Hop, il m'a embarqué. Vas-y, pousse. Mais non, attends, pousse pas comme ça. Voilà, voilà, comme ça, voilà. Donc je suis ici. Là, je vais. Mon épaule avance. Je suis ici.
Et là, je... voilà, mon poignet travaille. C'est pour ça qu'on se renforce les poignets. D'accord. Ouais, en rotation sur le poignet. Il est fort. Ouais, il a... Enfin, manque un peu de dextérité. Je vais essayer de le contrer au départ, je suis là. Voilà. Ah, il lâche pas. Voilà. Bon, ben, ça va le bras un peu en compote. C'est de la technique, mais c'est aussi de la force quand même. C'est évident. Nous, on est des poids lourds. Donc ça paraît effectivement quelque chose qui paraît effectivement d'assez assez puissant. Évidemment, on est tous les deux, on fait plus de 100 kilos. Hein. Mais maintenant, bon, il y a 9 catégories de poids, c'est par catégorie de poids. Championnat du monde, c'est bras droit, bras gauche. Et en France, il y a quelqu'un qui a été champion du monde dans les moins de 60 kilos. Donc moins de 60 kilos, ben, c'est 50% de moins que moi, hein, j'en fais 120. Donc il est évident qu'il y a des catégories de poids. Tout simplement. D'ailleurs, il y a un exemple, bon, ben, on l'a rencontré dernièrement, c'est cette petite russe Marina qui fait 50 kilos et qui était en train de nous montrer les techniques de travail, comment s'entraîner. Parce qu'elle est 7 fois championne du monde quand même pour une personne qui fait 50 kilos. J'ai commencé le bras de fer, j'avais 48 ans. Et après 3 ans de pratique, les premiers championnats du monde, j'ai été les faire au Canada, donc dans la catégorie des masters. Parce que bon, faut quand même jouer avec son âge, hein, parce que les jeunes sont quand même, c'est la jeunesse. Hein. Donc j'ai fini 4e, j'étais très content de mon résultat. Ensuite, l'année d'après, parce que ça a lieu tous les ans, j'ai été au Japon, et j'ai fini 2e dans la catégorie des masters. En Finlande, j'ai fini 1er, enfin un titre. Ensuite, en Pologne, j'ai fait 2e, vice-champion du monde. Et l'année dernière, aux États-Unis, j'ai fini 3e. Ça se dégrade, ça va avec l'âge. Hein. C'est, ouais. C'est... ça suit la même courbe. Même quand bon, là, j'essaye de résister. Ouais. Qu'est-ce voilà. qu'il va faire il va... Voilà, regarde, il travaille sur le couloir. Ouais. Ouais. Tu regardes par exemple, ça, si commence, il tire sur la diagonale, Fredo, quand il part. Vas-y. Ah, voilà, regarde. T'as vu le sorti. T'as vu le trajet qu'il fait là ? Ah, oui. Tu vois, je suis resté, je suis bloqué statique. Ouais. Donc même avec ma puissance, il va quand même me tirer, regarde. Regarde son épaule, regarde son épaule. Voilà. Il ramène et puis... Il a... Donc mauve, ready, go ! On recommence ? On recommence ? Non ! C'est fini Fred, c'est bon. Tu lui fais sortir le coude. Là, t'as le droit. T'as plus loin, ouais, c'est bien. Il a poussé, là. Donc, on essaye de beaucoup travailler ensemble. Là, pour être devant toi. Voilà, là, toi, tu me fais effectivement, de travailler sur... Toi, là, regarde. Voilà, là, tu me fais pas de pression. Je m'empêche de sortir. Toi, je peux... Donc, c'est travailler sur les extérieurs. Là, ici, là. En ouvrant comme ça. Donc, maintenant, t'en as aussi beaucoup qui travaillent sur l'intérieur. Travailler sur l'intérieur, c'est avancer son épaule. Tu verrouilles, de toute façon. Là, donc effectivement, au départ, tu laisses au départ. Vu mon poids de corps, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi. Bah, parce qu'il y a une trop grosse... Là, je me sers vraiment tout mon poids de corps. Donc il y a vraiment une trop grosse différence de poids entre nous deux. Donc, on peut plus dire que ça... Il y a eu vraiment une grosse incidence. Là, je me sers vraiment de... Tu as branché si le mec t'emmène là. C'est bon, là. Alors, il faudrait... La technique idéale... Mais ça serait en théorie quand je le fais, non seulement d'avancer mon épaule, mais en même temps de le tirer. Peut-être raison. Ouais. Un petit peu ce que tu fais. C'est-à-dire moi ici. Là. Ah ouais, il a personne. J'ai tendance à aller au-dessus. Comment on peut se faire contrer plus hein. Parce que moi c'est pareil, je fais ça. Non, mais là, j'ai le contre, c'est... Ouais. Ah ouais. Parce que là tu viens sur moi si tu vas sur l'intérieur. Si tu vas sur l'intérieur, vas-y, tu vas dans mon mouvement. Ouais, rien. Parce qu'on va tous les deux voilà. L'un contre l'autre. Là tu vas sur moi, donc par rapport à toi, je suis trop puissant. Le moyen, c'est que le mec, il fasse ça. Ouais, essaye comme ça, vas-y. À mon avis, c'est la seule solution, effectivement. Moi, je suis là, j'essaie d'aller sur l'intérieur, et toi, tu fais sur l'extérieur, oui, c'est ça, voilà. Mais, attends, je suis en train de regarder quelque chose. Je pense que si j'ai un temps... Là, vas-y, voilà.
pour ça. Comme ça. Ah oui, attention, ça aussi. Regardez ça, parce que si vous voulez, si t'as pas le temps, dans l'esprit des gens, être champion du monde, c'est extraordinaire, mais très curieusement, comme la majorité des champions du monde sont des champions européens, donc en effet, je n'avais jamais fait championnat d'Europe. Et championnat d'Europe, qui est pratiquement, on dirait pratiquement plus relevé qu'un championnat du monde, mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, champion du monde, bon. Donc j'ai été champion d'Europe après. J'ai d'abord été champion du monde et après champion d'Europe. Voilà. Puis, ce qui correspond à ma catégorie d'âge, c'est les masters. J'ai d'abord été champion de France senior, alors c'est bon, qui correspond plutôt à ma catégorie d'âge, mais j'avais jamais été champion de France master. Je l'ai fait cette année, j'étais champion de France master. C'est-à-dire, j'ai fait tout à l'envers. La logique aurait voulu que je fasse senior, master, Europe et monde. Non, moi j'ai commencé tout de suite en haut, hein, tant qu'à faire, on va pas perdre de temps, on commence tout de suite par le plafond. Ouais, bah vu. Attends, j'ai mis à fond. Là. C'est un bon. Quand t'es avec lui, t'as envie de faire ce que. T'as envie de te surpasser. Sympathique. Peut-être c'est que ta maman qui était magnifique. Que progresser. Ah, c'est une boîte de nuit, là. Ouais. T'as même une caméra. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Moi, ça a l'air d'être sympa. Là. Ah oui, d'accord. Tu te sens bien préparé? Oui, bien sûr, toujours. Je sens bien. D'accord. Et toi? Ça va la forme. Ouais. T'as pu t'entraîner quand même un peu? Ouais, on sent bien l'entraîner là. Je pense que ça va aller. Ouais. Tu vas nous ramener quelques coups? Bon, on va essayer au moins une. Minimum. Ça doit être bon. Le poignet par contre, les poignets. Les kento et les poignets. Ok? Ok, je vois rien là encore. Donc on va attendre pour faire les vétérans parce qu'il y a plusieurs vétérans qui sont enseignants et ce sont tous des poids lourds. On va d'abord vous annoncer que c'est Jacques. Oui, Jacques. Go! Allez, go! Allez, go!
Pourquoi on aime la compétition, alors ça, je vais avoir un psychologue. Là. Et encore, je sais pas. Et ils te font progresser. Et je pense qu'on les fait progresser aussi maintenant. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Allez, on part. Allez, on part.